opposition, en pile monde, parce que on dit ça plusieurs fois, mais chaque fois on dit ça, il y a des monde qui parle quoi. Bonne opposition, et puis, moi-même, son monde qui endosse sans mieux, pas endosse sans bailler. Nous sommes députés qui étaient à fond bon petit temps aux États-Unis. Ça veut dire, l'été gain Petro-Caribe, l'été gain PHTK, monsieur Esaïe Prophète, c'est aux États-Unis, il t'a travaillé, il t'a levé boîte. Il n'a pas de politique, il n'a pas de aucun parti politique. C'est la première fois que je suis député dans la ville. Tu sais, boîte où tu as levé, depuis? Oui, c'est boîte où tu as levé. Ou député. Exactement. Ça veut dire, je n'ai pas de politique, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de gestion Petro-Caribe avec personne. Je n'ai pas de parti PHTK. Je suis député pour la première fois, et l'homme dans l'élection, je suis allé en bas au PL, et je suis un candidat bouclier en face, même je suis un candidat PHTK en bas. L'homme vient élu comme député, je suis dans l'opposition. Parce que les privés étaient là, nous étions dans l'opposition à privé. Je venais élu président, je présente M. Jovenel Lacaille Charles Chancy, et moi, son petit président. Charles Chancy. Qui présente lui. Il présente Jovenel Moïse Barre au groupe de députés. Moi, son petit paysan, le parle, moi, le bon vision. Je dis, moi, je supporte le personnage Jovenel Moïse et sa vision. J'ai toujours dit ça. Je ne suis pas PHTK, je ne suis pas supporter de PHTK. Et le PHTK fait réunion là avec Michel Matéli, député Esaïe, pour faire pas jamais là dans le. Ça me plaît pour tout le monde. Et ceci me dit ça. Jusqu'à présent, PHTK est candidat qui a préparé pour une phase député Esaïe Prophète 4e mort. Ça clair. Bonne clair sur ça. Je dis toujours ça. Je supporte la vision de Jovenel Moïse. Et ceci, je n'ai jamais rien avec eux qui ont pour avec question de réunion PHTK. Pourtant, Jovenel Moïse, président, et ceci, comme bagage Jovenel Moïse prend la donne, je dis tout comme ça. Moi-même, je ne vais pas prendre la donne. Le Jovenel Moïse qui est au pouvoir, nous disons Jovenel Moïse, premier groupe monde qui passe la vidéo, il y a obstacle politique pour vous, c'est le PHTK. Nous disons ça, et moi-même personnellement me disons ça. Et je ne dis pas, Jovenel Moïse prend décision pour divorcer avec l'équipe de PHTK, il est déjà trop tard pour le faire. Il est déjà trop tard pour le faire. Parce que, du valier de Zoumbagaï, ils ont en politique, la reconnaissance, c'est une lâcheté. Jovenel Moïse était supposé rendre compte que l'équipe de PHTK qui était autour de lui, il était qu'une seule et unique mission, c'est préparer le pouvoir pour Michel Martelly en 2022. Ça veut dire, lorsque son gouvernement qui a 18 ministères, PHTK a décidé la prendre 10 ministères ou Balil, ça veut dire que nous ne pas attendre l'autre nom, ou attendre l'autre nom Michel Martelly. Depuis le Jovenel Moïse rentre dans ce que ça nous dit, sous pas dissocier de l'équipe de PHTK ou pas finir mandat, il pas attendre. Mais qui l'a dit de tendre ça bien tard. Et ceci peut être tout collègue qui est habitué à participer dans la réunion, quel que soit qui fait de la caille Jovenel Moïse Pelleret, quel que soit qui fait dans le palais national, il y a toujours député Esaïe Prophète, pas jamais de zone dans l'Angle pour parler avec le président Jovenel Moïse. Ça va de respecter pour dire ça le penser. Ça veut dire, c'est bon monde qui a dit Jovenel Moïse Baguette là, que le janvier, c'est moi-même Esaïe Prophète, mon de tout collègue à tout ça. Ça veut dire, on ne paye pas monde qui a dit Jovenel Moïse, ça veut dire, on va le conseil. À part le PHTK, il y a des conseillers particuliers que le gars d'un vol. Et bien, il y a des gens qui pour y attendre. Il y a fin de Michel Matéli. Il y a fin de Sophia Matéli. Il y a fin de Dimitri Vop. Avant pour y attendre. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont conseillé, un conseil privilégié, il y a trois désavantages. Des avantages qu'on a débuté, Esaïe Prophète, c'est pendant. Pour un peu de monde. Baklap Chavier, c'est laisse Abdio, mais non, 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 et jusqu'à présent, pas penser Esaïe Prophète vindou là, faut Jovenel aller. C'est pas ça vindou là. M'a vindou à pas Jovenel Moïse, ni m'a vindou à Jovenel aller. Et ceci, comme vous te connaissez parler avec moi lors de la radio, Cap-Haïtien, depuis l'on monté, non, vous quand de la parole, c'est la première fois nous parler, c'est la première fois autant de paroles. Mais autant de toute interview que député fait, je vois autant de ma parler à ma visa. Okay. Nous sommes moun qui campaient, non radio, ni en personne, dit Jovenel Moïse, depuis le délégué, non là, Antonio Jules, je t'ai fini arrêté là, on t'est supposé révoquer. Nous disons ça dans la radio, nous disons Jovenel Moïse. Là. Et ni pas venir dans la logique, les bateaux a tombé pour me sortir parce que je ne vais ni jouer la tortue, je ne vais ni sauver le yacet. Je vais être dans le bateau, à l'air, ça me fait jouer, je vais manger, je vais quitter. Je ne vais pas jamais que aucun avantage, ni aucun privilège dans mon jeu. Vous voulez dire jouer la tortue avec Sorel Yacet, c'est bateau qui a coulé, il a échappé pour lui.
en nous clair qu'on y a la moune ou t'as dit demander me contre l'argent Petro-Caribe. Vous qui moune qui te en Petro-Caribe là l'argent a gaspillé, je te a fait yop dans l'arrière qui a demandé moune contre l'argent Petro-Caribe. Mais c'est moune qui prône contre l'argent Petro-Caribe. Parce que nous t'es là-dedans. Nous t'avons gaspillé, nous t'avons géré. Pendant tout le temps, nous t'avons géré, nous t'avons gaspillé, nous t'avons déjà demandé côté l'argent Petro-Caribe. C'est moi qui t'en aux États-Unis, ou avez demandé côté l'argent Petro-Caribe. Vous clair? Ça veut dire moi-même toujours du tout pour là. Jovenel Moïse, il n'a pas député Esaïe pour faire aucun avantage, aucun privilège. Donc, ça me fait un quartier Moré, ce n'est pas Jovenel Moïse qui va mieux. C'est moi-même qui marchais dans les ministères, dans la direction générale, m'a cherché projet pour quartier Moré. Pas de rien de personnel que Jovenel Moïse. Mais où je n'y fait pour Katimor, hein, où je n'y en fonction des positions politiques ou rien, gen des députés pas jouen, gen des députés non possible pas jouen. Kampé là, ou vle m'zoti bagay, mi gros projet fait pour que je n'y pour Katimor, kon ki projet lié, la route de Madeline. Ou konne ki montant de 25 millions de gouttes. Ou konne sou ki gouvernement de jouen ni, Jocelyn Brivert. Ou konne ki ministre qui te ba mouy, Evel Eveya. Tandis que, à l'époque, on était à l'opposition de Brivert. Ok. On était dans l'opposition à Brivert, oui. Et on dit, je fais le Moïse à tout le temps. On dit, puis, moi, prochain, je vais vous casser, moi, c'est Brivert qui est dans, oui. Tandis que, on était dans l'opposition à Brivert. Le nouveau ministre que TPTC a gagné, il n'a pas qu'un des dossiers, dossiers circulaires, mais sous le Jovenel là. Jovenel là, les quartiers, moi, il promet, la fait la route de Madeline, mais mon goût, il n'a pas un budget pour la route de Madeline. Mais ça va empêcher ou style à supporter. Et bien c'est là, et bien c'est là pour que c'est pas intérêt personnel venant mon Jovenel qui fait m'a supporter. M'a supporter Jovenel. Non, ou Katimor n'est pas intérêt personnel ou député? Non, mais ça me doit, ça veut dire tout. Si m'a supporter Jovenel, c'est pas intérêt personnel que je veux nommer. Non, attendez. Ou t'es en droit de demander l'argent de Baba ou li, mais on route pour faire dans une zone là qui a permis de mandon yo pas. Traverser avec produit et yo gagne, li pa fait le bout, mais au style que mes positions yon gagne, mais pour la jante de bout. Et bien, c'est son abdou là, ça veut dire vous, il te promet moun quartier Moré, 24 décembre, mettez sous speaker dans le téléphone, il dit moun galement m'a fait la route de Madeline. Je ne sais pas qu'on goutte qui boule là, mais c'est l'abdou mouto. Si on fait pour moun qui est des intérêts personnels ou yon, l'en pas pour intérêt personnel là, vous voyez, mais si c'est pas intérêt personnel ou abdéfon, on pas toujours pas, et si ça. Moi-même, ça qui est plus ou moins intéressé à candidat Jovenel Moïse, c'est parce que moi, j'ai des convictions. Et jusqu'à présent, on est en droit d'accord avec Jovenel Moïse, on ne doit pas d'accord avec philosophie, mais Jovenel Moïse, conviction. D'accord. Parce que il y a des bagages que loin, que vous-même, on doit. Ils n'ont pas de moyens pour l'atterrir avec conviction. D'accord. Alors, moi, c'est le sable quoi. Personnel n'est capable de l'autre défaut, mais ils sont d'accord avec la conviction. Ça veut dire que moi, ce n'est pas mon intérêt personnel qui attache à aucun candidat. Ça, c'est ma position. En allant dans la proposition sortie des crises là, député Jaï Prophète, il faut me dire pourquoi Lili, honnêtement, c'est vous qui pouvez dire ça qui est là-dedans. Mon cher, je suis capable de dire que position ça, c'est une position que nous avons travaillé sur lui depuis environ 2 semaines. Qui nous? Mon cher, c'est nous-mêmes qui travaillons sur la position. Hein. Ok. Mais nous demandons quelques collègues pour signer. Nous voyons la proposition qui est pour 35 collègues. Mm-hmm. À peine je n'ai 8 qui acceptent le signe. Mm-hmm. 8 seulement qui acceptent le signe. Qui 8 yo, ça veut dire eh, 8 députés Esaïe Prophète Katien Moré, député Louis Romel Boger, député Philomé Sopan Hilaire, député Ronald Etienne, député Joseph Antonio Vériquin, député Hermogène Daniel, député Salem Raphaël, député Jacques Jules. Ok, moun qui ah, va dire. Député qui pas signé yo. Nous n'avons pas rentrer dans ça là dedans oui. Député qui pas signé yo. Non, on va faire ça, on va faire personnel. Non. On va pas de faire personnel. Non, on va pas de faire personnel. Tant des questions député, tant des questions. Tant des questions plutôt. Député qui pas signé yo qui explication yo bail. On va pas de faire personnel. Très bien. Gen député qui dit il pensait que moment pas opportun. Gen député qui dit gen des bagages dans proposition que on pas d'accord. Avec lui. Il dit qu'il se retire. Il dit qu'il se retire, ça ou pas d'accord. Eh bien bon, c'est ça. Même simplement tout, qu'un député qui trouvait que nous t'as supposé plus pour Jovenel dans la proposition. Okay. Vous comprenez? Nous pouvons regarder la proposition. Nous pouvons regarder lui, mais
et député ou dit ou te voye bah yo en grande majorité c'est député qui t'a supporté pouvoir oui, pendant oui, oui, quatre oui, mandats oui 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 c'est ça c'est mm-hmm. ça c'est ça donc c'est mais dans moment là moment pas favorable pour signer ça bon c'est ça dit qui ça en de proposition bon ou permettre moi font-il lecture tout petit de introduction en aller ou permettre lecture qui est rapide parce que c'est sous téléphone oui, pas de problème, pas de problème. OK il dit c'est proposition d'un groupe de députés de la 50e législature pour un dénouement à la crise actuelle. Le pays est en proie à une crise généralisée. Hors de ce constat, nous, députés, signataires de cette proposition de sortie de crise, voulons marquer une rupture avec les mauvaises pratiques gangrenant le système politique haïtien. Le président de la République, Jovenel Moïse, victime du lourd héritage de ses prédécesseurs, à la tâche difficile depuis son accession au pouvoir, la mise en application de sa politique se trouve heurtée à l'instabilité régnant dans le pays. D'énormes clivages divisent la société haïtienne. À l'horizon se profile une guerre civile, nourrie par des rhétoriques haineuses de notre classe politique. En tant que député du peuple, par cette proposition de sortie de crise pour le bien du pays et pour une solution haïtienne, nous formulons des propositions suivantes. Premier grand titre. Vers à renforcer économiquement. Premièrement, la mise en place d'une politique d'austérité. Deuxièmement, se mettre d'accord sur la réduction du monopole économique accaparé par certaines familles. Troisièmement, annulation de toutes les franchises douanières. Quatrièmement, des exemptions d'impôts. Cinquièmement, des exonérations de taxes. Sixièmement, de contrats léonais. Contrat léonais veut dire au contrat que l'État signe avec l'entrepreneur, tout ça que le contrat bon pour l'entrepreneur là, au détriment de l'État. C'est ça, ça veut dire contrat léonais. Des avantages sur les frais de dédouanement des conteneurs accordés à certains grands commerçants au détriment des petits commerçants. Récupération des biens de l'État privatisés dans des conditions douteuses. Premièrement, l'usine électrique de Vareux. Deuxièmement, les terminales de l'APN. Troisièmement, cimenterie nationale, CINA. Quatrièmement, la minoterie d'Haïti. Cinquièmement, la Téléco. Sixièmement, le pont Lafitau. Vers l'assainissement de l'administration publique. Réalisation d'un audit express sur toutes les institutions publiques, particulièrement sur le fonds de développement industriel FDI. La gestion des fonds de l'ONA et sur la gestion des fonds du BMPAD au cours de ces dernières années. Deuxièmement, le remboursement immédiat des 40 millions de dollars américains pour l'achat des engins lourds non délivrés pour la réalisation du projet baptisé la caravane du changement. Troisièmement, annulation des contrats léonais entre l'État haïtien et les trois compagnies fournisseurs d'électricité. Premièrement, Sogener. Deuxièmement, E-Power. Troisièmement, E-Track. La levée automatique de l'immunité parlementaire de tous les députés et sénateurs en fonction pour la poursuite des enquêtes judiciaires sur certains scandales de corruption et autres. Quatrièmement, la réalisation des procès équitables sur les crimes et gaspillages
de fonds publics de ces dernières décennies. Les secteurs vitaux de la vie nationale doivent se mettre d'accord sur le choix des juges d'instruction indépendants, honnêtes et courageux, capables de faire jaillir de la lumière sur ces dossiers. Premier dossier, la CIRH. Deuxième dossier, les fonds pétro-caribés. Troisième dossier, le rapport du sénateur Paul-Denis de 2004. L'assassinat de Jean-Léopold Dominique, de Jean-Claude Louis-Saint, de Christine Jeune, de Brignol Lédo, de Robert Marcello, de Mireille Durocher-Bertin, de Jacques Dubois, de Jacques Roche et du sénateur Yvon Toussaint. L'affaire des sept mercenaires, le massacre de la Syrie, le massacre de Carrefour-Feuille, le massacre de la Saline. Dernier point, vers un État fort au profit de la collectivité. Sur la base d'une dialogue franc et sincère, les forces vives de la nation doivent, premièrement, mettre en œuvre un plan de gouvernance avant la résolution des élections générales dans le pays. Deuxièmement, procéder à l'amendement de la Constitution de 1987 ou doter le pays d'une nouvelle constitution. Troisièmement, procéder au désarmement par la réinsertion sociale ou la pacification des zones de non-droit. Dernièrement, revoir les conventions et accords non profitables à Haïti. Simple pour le presse, le 9 octobre 2019, suivant les signatures, député Esaïe Prophète Cartier Morin, député Fonfon Philomé Hilaire Porouago, député Ronald Étienne Pestel, député Antonio Jacques Verriquin, député Romel Moger Maïssad, député de Grécien, député Antonio Véquin de Grécien, député Romel Moger de Maïssad, député Hermogène Daniel de Dodo, député Salem Raphaël de Mamlad et député Jacques Juni de la Grande Rivière du Nord. D'accord, merci. Et moi entend des propositions, mais on va bien en pile dans point ça, on va regarder, nous vraiment pas rien temps, mais gnen bagay nous dit dans proposition sorti d'écrit ça d'éviter. C'est comme si gnen message qui a venu moi là et comme si son nèg si mon yo interprété le comme ça oui et comme si son nèg gapman don fi pardon dit chéri tout n'a même pas fait ça encore ça reprocher mieux m'pas faire encore. Ou rappelle nous j'étais séance pour question ma sénateur, pas vrai? Nous j'étais Jean-Henri Seyan, c'est pour question mercenaire, pas vrai? L'on parle de nous, de qui est-ce qu'on parle? Député que t'es voyé aller. Ok, moi-même, Esaïe Prophète, je suis même là dans la séance qui était j'étais Seyan. Ok. Parce que d'habitude, il y a des bagailles que j'ai fait. Si je parle avant en tant que journaliste, des bagailles, si je critique une autre média, je vais la gueule sous vous. Il y a des actions que le Parlement commet ou pas la gueule ou pas la gueule sous les députés. Le Parlement qui s'est co-déposé, de la souveraineté nationale, moi-même, c'est un député. Ce n'est pas toute action qui fait ton chambre député pour c'est moi pour mettre là-dedans. Si il y a des cas de corruption qui est avéré dans le bureau, ce n'est pas pour mettre là-dedans, je ne fais pas partie du bureau. Si différents députés votent en façon, ou pas qu'à la guerre, responsabilité à sous-doigt. En tant que journaliste, nous connaissons qui est bien informé. Faut veiller pour qui action que le député prophète poser. Attendez. Vous dites, ah, ça va être député prophète pour pouvoir. Non, mais ça, d'accord. C'est bon, m'explication là-bas. Où vous battez là? T'es un 93 députés qui t'es voté pour voter royal. Mais j'en séance là, t'es faite là. Même sous pat là, il y a des traditions ça dans le niveau parlement. N'est qu'on baille l'autre accès pour voter pour lui. Dans tel sens. Moi-même, c'est pas que je batte dans le séance, je dans le séance là, mais lui, t'as pas fait le vote là, je batte là. Mais simplement que. C'est que pour les 93 députés qui ont voté pour CAL, tandis que c'est 72 députés qui ont fait partie de la majorité. Ça veut dire qu'il y a un député ni qui est dans l'opposition, ni député qui a supporté la majorité, ils ont tous voté CAL. Pour qu'ils ont fait choix pour ne pas voter pour voter CAL. L'homme là,
vote là t'as pas le fait là, m'pas connaît exactement qui l'a pas le fait vote là, parce que son vote que t'es fait très à la va-vite, n'était sorti, n'était dans l'autre chambre qui annexé avec chambre députée, n'était dans la toilette. Mais c'est pas volontairement que m'était couru pour m'pas voter, m'pas jamais fait ça même, toujours pour responsabilité. Et bien, il y a une voix dit là, oui, député. C'est vrai que vous avez dit là, comme si on s'est en fait dans le lieu de travail ou quitter la séance là. Si que pendant la séance là, vous n'avez pas annoncé que vous n'avez pas fait vote, et puis moi-même, je suis mal dans la toilette, je suis mal fait besoin de me parler. Même jour que c'est pas couru, m'te couru, ni m'a te sauvé pour me faire vote là. Parce que c'est une séance qui t'a fait en pile, mon pensée depuis que vous faites pas voter là-dedans. C'est une séance qui t'a fait. Vous êtes capable de mettre le président Jovenel dans la situation de là, oui, et de voter, oui. Commandez-vous qu'une élection qui fait en DAPIA, élection générale, dans qui intervalle? Élection qui ça? Ou élection générale? Pour élection faite, ça peut dépendre de qui ça, structure la mandée. Position ça, faut voir que position ça, proposition ça que nous mettez dehors, nous va demander pour Jovenel Moïse aller, ni nous va demander pour Jovenel Moïse rester. Le seul ça nous dit, si c'est Jovenel Moïse, il y a des acteurs qui ont demandé pour y aller. Faut que y ont même tout pour résoudre le problème. On est en élection. Bien sûr. Ça veut dire, ça ne dépend pas de qui le Jovenel Moïse allait. Est-ce que ce conseil que vous allez mettre pour diriger le pays provisoirement, c'est à partir de là ça peut décider est-ce que c'est l'élection générale qui a fait ou bien c'est l'élection anticipée? Qui l'a jugé pour lever l'immunité nous? Ah, rapide. Pas demandé à nous venir. Hein? Non, rapide qu'on ait levé l'immunité. Rapide, parce que il y a des sénateurs qui ont demandé pour Jovenel Moïse aller, c'est parce qu'ils ont protégé par l'immunité qui fait la justice par Karenéo. Et mais qui ont levé l'immunité, c'est Elio et tout. Qui ont levé l'immunité, ils ont couvert en bas l'immunité. Ils ont des questions pour aller pour la justice. Ils n'ont pas qu'à aller, mais ils ont demandé pour Jovenel aller devant le tribunal. Et mais qui ont levé l'immunité tout le monde. Et peut-être dit ça dans la proposition. Mais pas pour qui ça pour un député sénateur besoin d'immunité. Pourquoi il fait crime dans le Parlement? Ça pour avec l'immunité parlementaire là. Ça vous va avec lui? Non, c'est constitutionnel. Ils ont couvert par l'immunité parlementaire. Ils ont fait toute qualité d'attente, ils ont fait des ordres, et puis élu a demandé pour l'autre élu aller, tandis que eux-mêmes, ils ont couvert par l'immunité parlementaire. Et c'est pour ça que tout le levé ça là, oui. C'est parce que l'immunité a pas fini, ils ont couvert sur que n'est pas grand quoi, et n'est qu'on est l'air, l'immunité a fini, ils ont des questions qui ne peuvent pas répondre à la justice. Ok. Moi, étant de ou en pile député Isaïe Prophète, faut que moi dis ou, et moi-même, moi pas encore maîtriser et proposition sorti des crises là, mais c'est son groupe député qui toujours en fonction, certes, mandat noir fini deuxième lundi, mois janvier 2020. Avait dit, moi, m'tape toujours prendre une proposition par nous en considération. Puisque y a pile proposition sous table là, et y a pile proposition sous table là, y a des mouns en pile monde, m'a dit Jovenel Moïse, faut qu'il démissionne. Soujouenons l'autre, un groupe député, qui souvle l'ougui n'a pas d'accord, qui participe dans mettre pays à côté li l'ensemble avec équipe qui sous pouvoir, c'est normal pour ta parler avec lui. Ou tendez, ou parler des courants, ou parler des élections, ou parler des questions mercenaires, ou parler des ensemble des dossiers qui étaient toujours fait actualité en d'un pays à. Ou suivre manifestation yo? En pile. Ou non, là actuellement? Bien sûr. Dans toute sorte d'une proposition, qui est-ce dans la manifestation là? Qui est-ce que propose que mettez moun nan la oui? Non. Dans toute sorte d'une proposition sorti des crises là. Qui est-ce que yo wèk répété dans manifestation ou pas d'une proposition? Bon, et mais c'est là le problème, oui en Haïti et monsieur Valestin. Parce que sous permettre moi et c'est ça m'da souhaiter que population pas prendre la donne. Joune jodi a sou besoin populaire en Haïti, kon ta boudi, faut Jovenel aller. De vous pas dit faut Jovenel aller ou pas populaire non? De vous pas dit faut Jovenel aller aucun moun pa vle tande ou. Parce que c'est ça n'attendait. Mais ça, la population en comprend. Moi, j'ai 49 ans, M. Valestin, je ne sais pas combien d'âge. Même tu es là, le 7 février 86. Ok. N'entendez qu'il discours qui te conduit avant 7 février. Et puis, vu le pays après 7 février. Ou pas trop grave, c'est ça, non, Georges, mais depuis grand. 49 ans, je me gagne. Depuis 14 ans, dans la manifestation, vous votez janvier. Vous voyez Jean-Claude Duvalier aller, depuis 14 ans, oui. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire, les Jean-Claude Duvalier n'ont pas aller en 86. C'est homme de guerre. OK. Ça veut dire nous que l'âme de contenter qui veut voter. Est-ce que c'est euphorique que t'es fort rentrer dans manifestation ou bien tu comprends la réalité là? Va dire là où nous que là avant 86 et là après 86 nous que là c'est décembre 90 pour mettre Jean-Baptiste Aristide au pouvoir avec 90% de vote
m'te là tout 7 mois yo voye aller. M'te là en 2004 m'te tende. Comme tout le monde kap levé voie, je te kap di pour Jovenel Moïse aller. Tout le monde sa été levé voie. Débité, m'ba vle moun al kouride yo après émission. Comme si, après les choses sur Facebook, ou dit 90% de vote, c'est 67%. Il est 90%. Là, c'est un peu d'exagération. Mais en gros, c'est que tout le monde dévote Jovenel Aristide, ou comme moi, j'aime le dire là. Mais simplement, vous comprenez, c'est que même voie kap soulevé pour Jovenel Moïse aller, je dis, c'est même voie ça ont été soulevé pour Jovenel Aristide aller en 2004. Ou te plié si te gombaga qui te le groupe 184, qui te gè Andy Apet Ladel, qui te gè Vince Paul, qui te gè Wendy Dewash, qui te gè Rizal Boulos, qui te prône yon bagay. Yon te prône yon bagay. Yon te prône un nouveau ordre social. Un plan social. Quoi que plan social là? Quand j'en ai été à l'issue de finale, groupe 184 fin de Wensai besoin, Andy Apet vin joué toute franchise douanière, il joue tout dire, et puis blié tout contrat social, il t'a parlé. Je ne veux pas dire même Wensai encore, qu'a demandé où Jovenel aller. Jovenel a parlé, mais toute franchise douanière pas eu apprêté, toute exonération de taxes a apprêté, toute exemption de pôles a apprêté, tout monopole a apprêté, c'est le même système. Parce que ça, nous, population, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème pour Jovenel Moïse aller. Jovenel Moïse a parlé, c'est tout système qui va. Système qui fait que c'est seul Bidjo qui va vous faire un haïtien, c'est lui qui vous change. C'est pour Bidjo qui va vous faire votre prince. Pour vous-même, vous vous faire un cap. Les gonaïves vont faire gonaïves. La question pour les seuls, le nord du cap contrôlé, tout là, douane, c'est ça pour finir. Les condamnés à l'arrêt de Dibini, ils vont y la caille. Pour se respecter la douane, qu'il y a une inspection pour lui, tandis que le seul qui vient avec un conteneur, il y a été là d'une effet de moi, ils ont payé au charge pour lui. Parlez, député. Parlez. C'est ça qui vous change. Ça veut dire, nous ne sommes pas messieurs pour le gouvernement avec personne. Et bien, je vais vous retirer là. Retirez au monde, c'est caca la boîte. Boulot Vini, il s'agit de 80 millions de dollars américains pour acheter machine pour Angelou. Qui paye les machines pour 40 millions de dollars américains, qui 40 millions de dollars américains qui n'en mêlent, il faut consommer un mec, et puis la monnaie vous en venez l'aller. Si vous en venez l'aller, Reginald Boulos a voué mettre 40 millions de dollars américains en vente. Reginald Boulos, lui-même soleil, il prête 2 millions de bouts de Honda pour 4 compagnies. Il prête l'argent pour Delima, il prête l'argent pour une compagnie qui s'est Nissan, il prête l'argent pour Autoplaza, il prête l'argent qui est capable d'ouvrir une compagnie qui est le 7, lui soleil, il prête 2 millions de bouts de Honda. Et puis, il y a tout pour Jovenel Ali. Ça veut dire que si Jovenel, les gens ne sont pas citoyens, c'est que nous avons 2 millions de gens. Et c'est qu'on a fait de chaque 1 million de gouttes, les femmes vont être à la fin. Pour cela, vous avez 2 millions de gouttes dans le pays, et vous avez dit que vous voulez changement. Qu'est-ce que vous voulez là? Ça veut dire que vous voulez Jovenel Moïse aller, pour 40 millions de dollars, l'État qui est dans mon vous parlez de l'île, l'autre qui nous aller. Les deux personnes qui ont une usine vague électrique, qui est pour l'État, la mettez un système là-dedans, les fournis leur baillent. 10 000 qui vont, ils vont voir, pour que vous puissiez courir, parce qu'ils vont voir, c'est pour l'État intérieur, et puis là, si nous sommes gênés, à vendre l'État courant, la vendre l'État blackout, et puis chaque mois, il y a touché 11 millions de dollars américains. Et puis c'est forme des changements, c'est forme des changements, c'est parce que nous avons besoin. Nous n'avons pas de problème, nous avons besoin de l'Isodia. Mais va dire que, j'ai tellement besoin de l'Isodia, c'est premier terrain, c'est premier mi-temps match là qu'à jouer. Pour Jovenel Moïse, il y a le deuxième mi-temps match à jouer. Deuxième mi-temps match là, toute fonction de l'année a fini. Toute exonération de tête a fini. Toute exonération de tête a fini. Toute question de. Si moi, en tant que député, je suis comme la pote, je vais prendre. Même gaz, je vais mettre dans le caillou, je vais manger. Ça veut dire que je connais la situation. Moi, j'ai besoin de gaz, peuple en arrière, même si peuple a fait attention. Faites attention, c'est qui mon cap dirige là. Ça veut dire que Yuri, en tant que conseiller Michel Martelly, il fait trois ans de parler, à manger l'argent pétro-caribé, à gaspiller l'argent pétro-caribé, ensemble avec Laurent Lamont, et puis je vais dire la vie de moi, l'argent pétro-caribé. Mais Yuri, en tant que côté l'argent pétro-caribé, il te la donne. Et bien, je vous apprenez que l'âge est pétro, nous battons le pouvoir, nous battons l'État, il va qu'à mettre un peu de l'âge pétro-caribé. Mais dans le cas, si casse BMBAN, tout le monde connaît que dans le cas, si pille BMBAN, et puis dans le cas, si on vient parler de corruption, dans le cas, si connaît des pirates, c'est sous BMBAN, faut dans la prison, oui, dans le cas, si compte ça, oui, connaît pas du tout la main. Pas du tout sauver parce qu'il pille BMBAN, on fait un on profite de dans le cas, mais tout le monde va contre ça. Pas du tout le monde qui compte Jovenel aller, non?
tout le monde que Jovenel plus ou moins est capable. Mais partout, c'est que Jovenel qui problème non. Jovenel qui ont partout le problème non. Et le problème non, c'est la pagaille. Depuis nous voulons voyager Jovenel, n'a tout clair des systèmes. Depuis c'est pour ça qu'on a fait manifestation, ville pour débuter dans les prophètes Kounia. Depuis la manifestation fait pour éliminer le monopole. Manifestation fait pour éliminer les citoyens. Manifestation pour craser courant l'État avec Ipawe, avec Sorgine, avec Ashoka, vini chercher maintenant cette manifestation. Mais pas venir dans la manifestation pour voir Jovenel aller, après ça pour pas rester pour l'autre pays. On finit d'éviter les aïe pour fait, nous comprenons la frustration, nous comprenons la position très bien, mais là, frustration, au-delà des frustrations, au-delà des mouns qui ont goûté pour voir Jovenel Moïse aller, pour régler affaires personnelles, la crise là encore, il existe. La crise là, il existe trop. Qui ça doit faire pour nous finir? Moi-même, pour nous sauter. Bonjour mes camarades, ou comme ça, mon mieux, ou même élu comme député de 4e mois. Si je rends compte que je ne vais pas faire travail, je vais faire démission. Je ne dois pas venir Jovenel. C'est Jovenel qui pour connaître est-ce qu'il a démission. Il devine qu'il faut mettre est-ce qu'il va faire. S'il va faire, il a tiré la relevance. C'est Jovenel qui pour décider est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va pas aller. Même pas dire Jovenel, je ne vais pas dire aller. C'est Jovenel qui connaît. Si je devons support et conditionnel que nous devons faire Jovenel, je ne vais pas aller encore. Parce que Jovenel commet de grâce erreur. Jovenel, son monde ne parle à qui il attendait. Même pas qui doit me dire Jovenel aller, non? C'est lui qui connaît ce qu'il va aller. Même depuis le quartier mort. Depuis que je suis sorti comme je ne suis pas capable de faire, je dis merci pour voir, je ne suis pas capable encore. C'est pour monter courage dans la vie. Là, on va voir ce qu'on va faire, souvent, ce qu'on va faire pour la question, on va aller. Mais c'est ça que je voulais faire tout pour comprendre. Et c'est ça que la population comprend. Chaque fois, nous faisons la guerre, ça y est. Il y a des gens qui bénéficient de nous. Et c'est nous-mêmes, Mastra, qui dit mal. Parce que, avocat 26, pour qu'on combien de sacs de téléphone, 18 dollars haïtiens. Qu'on y a le 2600 dollars. Avant 2004, je sais qu'on a combien de prix qu'on a dit à téléphone. Après 2004, je vais faire installer. L'élection de promettre qu'il y a un nouveau contrat social. Mandez au côté nouveau contrat social. Elle mandez côté nouveau contrat social. Elle mandez un diabète côté nouveau contrat social 2004. Elle mandez Réginald Boulos. Côté nouveau contrat social. Alors, 2014, il dit avec Alex Saint-Cyrien Jodia, Reginald Boulos dit avec Alex Saint-Cyrien Jodia, il n'y a pas de jam dans le groupe 184. On nous finit. Mandez Reginald Boulos, mandez Reginald Boulos, c'est pas des mouns qui t'investissent pour des voyages de médias installés. Non, l'idée de ça, nous prenons la parole. L'idée continue. Sûrement, il a financé manifestation Jodia, l'abdou non, oui. Ok. L'abdou non, il a financé manifestation. Mais il est clair. Ou qu'à imaginer que c'est ça Reginald Boulos qui doit vous voler l'État, ni son papa, le machine l'État. Que dis-je que manifestation en fait, il y a boulé machine l'État, oui. C'est ça Reginald Boulos qui doit voler l'État, Torios, oui. Machine l'abolition. Manifestation en fait, il y a boulé machine Torios. Reginald Boulos a volé l'État, ni son patron l'a volé l'État, Torios. La finance manifestation qui a boulé machine l'État. Parce que lever l'État avec ces machines, c'est dans mon sol pour nous gâcher. Non, mais Reginald Boulos, oui. Qui est conclu, c'est ça? On nous fini, on a fini, et vraiment on a fini. Ou sous dit là, et ou pas dans prolonger. Écoutez, Radio Mega, pour Radio A, li fait 10 ans. Merci. Ou sous dit ou pas dans prolonger mandat. Vraiment, vraiment, dernière question pour nous finir. Autant d'adresse à Nation Calmira Cantavla qui m'a dit tout le monde mettez mandat sous table. J'ai fait un bel message, j'ai fait un très bon discours. C'est ma thème que je suis standé. Un très bon discours. Même pas dit, je pas perdu ça, non? Nèg sa yo, gran pil bouwe nan kriz peyi a ya. Ki nèg wap pale de li? Nèg yo gran pil bouwe. Wap pale de ki? Ke se depute, ke se senateur, nèg sa yo mette peyi a kote li a. An pil lan, an pa msi de nou yo. Paske msi sa. Ou di depute, ou di depute, ou di depute. Se nèg sa mette peyi a la. Ou di depute, ou di depute senateur, se yo mette kriz la. An pil lan, an pil lan, an pil lan. Ou mettre 300 dem. Oh, exigence un peu. Non, il n'est pas possible. La parole. Il n'est pas possible. Non, fini. Tout ça va le faire. Bon, pas fini. Et ceci, ma qualité du magaïwe. Ma qualité dit, l'on président, ou à comprendre. Et c'est ça, ma qualité du magaïwe. Oui. Faut chanter le parler. Faut chanter le parler. Chanter le parler, laissez-y pas parler. D'accord. Devant responsabilité de dégainer. L'on est le président des exigences. C'est pas fou, non. C'est pas fou.
Devant responsabilité. Devant responsabilité de gagner pour nous des pays à ou conscient qu'on groupe député, qu'on groupe sénateur, ou mettez pays à dans situation côté. Ah oui, oui, oui. Dans exigence, yo, moun ki la dan, ki la dan, y'a prendre tête, moun ki pa la dan, y'a retiré koyo. Na ou pour prendre toutes des questions en même temps. Groupe député, groupe sénateur, ça que met des pays à côté lié là, qui ça au mérite devant le peuple là. Ça c'est première question. Deuxième question, hein? Et deuxième question, gros auditeur qui voulait question ça pour moi. Mandé Esaïe Prophète. Est-ce que ministre planification Jean-Claude Dipierre, c'est pas ministre l'Élitéye, m'a appelé Jean Lier. Yon là. Non, bon, bon. Bon, fini. Vous gantez la parole. Lidi, mande Esaïe Prophète, est-ce que ministre planification Jean-Claude Dipierre, c'est pas ministre l'Élitéye? Yon là, l'Élitéye même aller dans ministère planification, MPCE. L'y rentrer dans bureau ministre là, l'y saisi. Yon parafe, c'est ça le dit. Li bay ministre là. On parafe. Li bay ministre la pression pour signer un projet pour lui. Son question auditeur. Bon, dis-moi, ça il dit à c'est vrai. Et moi-même, où est devant projet quartier mauvais, m'pa voir avec aucun vagabond. Okay. Depuis ce projet pour quartier mauvais, on est capable de dilatoire là-dedans. Mon chef m'a parti où le composé sur lui, on va perdre tout ça. Donc, soit dans la planification, c'est pour quartier mauvais, on le défendre. Bien sûr, 100%. D'accord. Tout le monde ça. Qui ça mérite devant peuple là pour nous finir? Qui ça mérite devant peuple là? Tout ça pour dire quartier mauvais. Tout ça pour dire quartier mauvais. Nous avons projet 6 millions de gouttes pour mettre un coup au quartier mauvais. Pour tout ça nous perdre dans le fiscal là. Nous avons projet 6 millions de gouttes pour complexe administratif là. Nous continuons, tout ça nous paye une année fiscale là. Pour qu'il y ait 4 millions de gouttes pour la 8 de gamme du plat, bétonnage, tout ça nous paye. Ça veut dire que tout ça nous paye 14 millions de gouttes dans le budget. Et puis, monsieur, Claudie, c'est pas moi qui t'ai mis. Si bien je connais tout le monde qui l'aimait de Claudie, dis, hey, c'est Patrick Messia, Radio Caraïbes. Dis, hey, c'est Gary Bono. Et cherchez mon PHTK. C'est mon sang qui te mette Claudie, c'est pas débité les aïe prophète. Non, Patrick Moussignac, son PDG Radio Mbakouel. Son PDG Mbakouel, le ministre, le débuté. Je connais qui vous mettez dans la planification. Ou un bon mounio, c'est mon sang qui te mette en planification. Et un peu divers, c'est le thème de la planification. On finit. Je dis à la toute ministre. On finit, on finit. Tout ministre qui passait, c'est monsieur qui puis fuck à vous comme ministre qui passait. Tout le monde a plein de l'État. On nous finit. Je dis à tout le monde, on avait essayé d'accuser l'autre. Nous-mêmes, devant la responsabilité de gain, qui s'est contrôlé et légiféré, qui sort pas nous, qui s'en mérité devant la population. Pour nous finir. C'est pour ça qu'il y a une élection chaque 4 mois. Chaque 4 mois, oui. Mm-hmm. Et vous avez dit ça là, je suis bien content. Je vais tout répondre à une question. Ça, la première question, on te répond à l'air. Qui ça qui revient depuis la sénatrice? C'est pour ça qu'il y a une élection, oui. Pas voter encore. Moi-même, depuis qu'il y a une élection. Puis mettre l'élection fait non, 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis 13 ans, il faut être candidat pour quartier moyen. Puis si mon quartier moyen, c'est une barbe représentée, il n'y a pas voté encore. Ça veut dire, si mon yo, nous disons que c'est sénateur avec député vagabond, c'est la population qui ne peut pas voter encore, pour ne pas venir dans le Parlement, venir faire vagabondage. Merci en plus, les Aïe Prophète. N'a pas appelé où c'est député en fin de mandat, circonscription quartier moyen dans le département de nos pays. Merci en plus. C'est moi qui vous remercie, Isaïe, Ismaël. Et puis c'est Esaïe Prophète. Non, depuis on te dit Esaïe, c'est ça. Merci pour l'interview, c'est ton plaisir. D'accord. Pas de problème. Débuté bonne journée. Salut. Salut à tous les partisans de Radio Mega. Bye bye. Voilà. Merci.